Voilà la famille, je comprends pas la cruauté des certaines personnes. C'est un truc de dingue. À chaque fois, on entend qu'il y a un animal qui s'est fait ci, qu'il s'est fait ça, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce que vous allez découvrir, c'est une courte histoire d'un chien, justement, qui a été trouvé dans le gaudron. On se pose la question, est-ce qu'il était rentré dans le gaudron tout seul? Ou est-ce que quelqu'un l'a jeté dedans? La famille, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum. Et de mettre un gros pouce bleu, c'est la récompense. Et aussi, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, est-ce que vous aimez ces genres des décorations, hein, dans l'incrustation carrément dans l'image. Voilà, j'essaie d'améliorer un tout petit peu la qualité de mes vidéos. Sur ce, bon vision à tous et à toutes. La cruauté vers les animaux a augmenté dans le monde entier. Et dans ce qui pourrait être une autre histoire des cruautés vers les animaux. Un chien s'est noyé dans du goudron à Lanús, en Argentine. Cependant, deux garçons ont trouvé les chiens couverts de goudron et l'ont sauvé. Des photos du chien couvert du goudron ont été partagées sur les réseaux sociaux. Et la vue est extrêmement douloureuse. Les jeunes ont eu du mal à déplacer le chien dans un refuge et ont été aidés par un policier. Le chien était couvert de goudron sur tout le corps et ne pouvait pas bouger du tout. Cependant, les sauveteurs ont emmené le chien mourant au refuge Zoonosis Lanús où il a été traité immédiatement et ramené en bonne santé. Le chien s'est amélioré depuis et les images de son voyage vers une bonne santé sont réconfortables. Le toutou a été soigné par des volontaires au refuge Zoonosis Lanús pendant 5 heures. Ils ont vraiment lutté pour s'en débarrasser du goudron. L'ensemble du processus a été très complexe car les volontaires ont dû choisir une méthode d'essai et d'erreur pour se débarrasser de tout le goudron qui durcissait à chaque minute. Le refuge a utilisé environ 5 litres d'huile pour nettoyer le chien du goudron durci qui limitait ses mouvements et causait des douleurs physiques. Le goudron a été entré dans les oreilles, les narines et même les intestins du chien. Une bénévole a déclaré qu'ils ont acheté beaucoup de choses. Ils ont regardé des tutos sur internet, ils ont essayé de vérifier que tous les produits et leurs résultats. Tout d'abord, il était impossible de le nettoyer. Puis, ils ont commencé à utiliser de l'huile étape par étape. Cela fonctionnait, mais ils ont utilisé quand même 5 litres d'huile. Une fois sauvé et nettoyé, le chien a été nommé Petro et a été traité par le vétérinaire du refuge. Les chiens médecins s'inquiétaient de l'intoxication car Petro avait ingéré des quantités dangereuses de goudron. Bien que les volontaires ne sachent toujours pas si le chien est tombé dans le goudron par lui-même ou a été attaqué par des malveillants. Il y a une enquête sur ce qui causait ce mal pour le pauvre chien. Mais on pense également qu'il a été jeté dans une mare d'huile et laissé pour mort. Mais il a réussi à s'en sortir et à chercher de l'aide. Alors que la santé du chien était initialement considérée comme risquée. Petro semble s'améliorer et les volontaires disent qu'il est maintenant de bonne humeur. Beaucoup d'entre vous, la famille, me disent pourquoi Jericho, en ce moment, tu mets des vidéos assez courtes. Alors, il faut savoir que récemment, j'ai remarqué dans les analytiques de mes vidéos, la plupart finissent pas les vidéos. Justement, ils regardent maximum 3 minutes de vidéos, alors que parfois... Je peux vous mettre une vidéo de 10 ou 7, 8 minutes, 9 minutes. Mais la plupart, ils regardent jusqu'à 3 minutes et ils partent. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je préfère que la vidéo soit regardée en entier qu'une vidéo de 10 minutes et qu'elle est regardée même pas la moitié. Le quart, tu vois. Donc, c'est pour ça que je préfère que la vidéo soit regardée jusqu'à la fin. Alors, c'est une vidéo courte, je sais. Ce qui est maintenant, j'ai pris un rythme que je vous poste une vidéo courte le matin. Et l'après-midi ou le soir, je vous propose une vidéo ou une histoire ou quelque chose d'étrange, découverte ou autre chose, comme vous avez l'habitude, assez longue ou des explications ou quelque chose comme ça. Vous voyez, donc comme ça, voilà, maintenant vous connaissez le rythme des Jericho. À 13h, ça c'est pendant le confinement, hein, vraiment, voilà, pendant le confinement. Maintenant, une vidéo à 13h, une vidéo à 20h, histoire, voilà, 11h, midi, 13h, histoire que vous aurez une vidéo le matin et une vidéo... Le soir, franchement, la cruauté envers les animaux, je trouve ça inadmissible, incroyable. C'est des malades mentales pour moi, les gens qui font ça. Wallah, c'est des malades mentales et je comprends pas. Soit ils ont des cœurs en pierre ou soit je ne comprends absolument pas du tout. Voilà, même l'animal, parfois, il fait pas ça. Hein. Même un animal qui a un instinct, tu sais, c'est d'attaquer les autres, de les manger, ainsi de suite. Il fera pas ça de jeter quelqu'un dans le goudron. C'est quoi le but? Je comprends pas du tout. Le voir souffrir comme ça, c'est un truc de dingue. C'est un être vivant quand même. Hein. Il a des sentiments. Et c'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé même des chiots. 3 chiots qui étaient bloqués dans le goudron. T'imagines des chiots, des bébés chiens, quoi. Je voulais pas vous montrer cette vidéo parce que vraiment, elle est assez touchante quand même. Mais bon, la famille, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de cette petite histoire.
N'hésitez pas à la partager également et de mettre un petit j'aime. C'est la récompense. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à ce soir pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye. Ciao, ciao. Je vous en prie, frères et sœurs.